Seigneur, laisse-moi entrer dans ta présence. Oh Père, je veux entrer dans ta présence. Est-ce qu'un adorateur qui est connecté peut demander au Seigneur de l'aider à entrer dans sa présence? Nous voulons entrer dans ta présence parce que nous avons vraiment, vraiment, vraiment besoin de toi, Seigneur. Tu es passé par le désert et je sais que tu nous connais, Seigneur. Nous nous préparons, nous voulons quand même saluer tous nos frères qui ne sont pas catholiques, mais connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous, nous nous préparons pour entrer dans le carême. Et nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin que son esprit vienne. Nous avons besoin que son esprit nous conduise. Parce que Jésus lui-même est entré en ayant reçu le baptême dans le désert. Il est entré en ayant reçu le Saint-Esprit. Mais quand il a résisté, qu'il est sorti, il a été revêtu. Et nous voulons sortir de ce temps en étant revêtu. Alors, nous demandons au Saint-Esprit de venir de prendre le contrôle. Roua, viens prendre le contrôle. Oh Saint-Esprit, je voudrais bénir ta sainte présence. Je voudrais te dire merci parce que je sais que tu es là quand on t'invoque. Viens prendre le contrôle de ma vie. Viens me redonner vie comme tu l'as fait pour les ossements desséchés. Oh, Saint-Esprit. Que tu poses la main sur ton cœur et que tu dises au Saint-Esprit, viens
dans mon cœur. Je voudrais te recevoir. Je voudrais que tu viennes souffler dans mon cœur. Comme tu as redonné vie aux ossements desséchés, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Amen. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous aimes. Bien-aimé, j'aimerais lire ce texte tiré de Jacques, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Mais nous allons lire les premiers versets. Jacques dit, bien-aimé, d'où viennent les querelles? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises. Puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Amen. Amen. Jacques, par la parole, nous oriente sur les actes de jalousie que nous avons. Nous oriente sur nos comportements. Souvent, nous sommes jaloux et nous pensons que c'est normal. Nous sommes jaloux parce que nous estimons qu'un frère ou une sœur a été trop béni. Nous sommes jaloux parce qu'un frère ou une sœur reçoit des compliments. Nous sommes jaloux, nous avons mal au cœur, simplement parce que nous estimons que ce que le frère a ou ce que la sœur a, elle ne le mérite pas ou il ne le mérite pas. Et Jacques vient nous dire que toute cette jalousie nous entraîne à désirer la mort, souvent même à tuer. C'est vrai, tu vas tuer. Peut-être que la personne ne sera plus sur la terre. Tu ne la verras plus, tu seras content. Peut-être que tu vas tuer, tu vas prendre ses biens. Mais est-ce que tu te rends compte que toi-même, tu vas partir aussi?
C'est ça. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Et nous, nous nous préparons à entrer dans cette réalité. Tu seras jaloux au point où tu vas même préparer quelque chose pour faire du mal. Mais est-ce que tu sais que Dieu te voit? Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Si c'est Dieu qui prend, c'est bon. Mais que ce ne soit pas toi, que tu ne sois pas à la base de la souffrance d'un frère ou d'une sœur, au point où cela entraîne le frère ou la sœur à la mort. Alors vraiment, demandons au Seigneur de nous libérer de ces jalousies qui nous emprisonnent. Même quand nous sommes à l'église, le fait qu'on fasse des compliments à un frère ou une sœur qui est assidu, ça nous fait mal. Pourtant, nous sommes dans la maison de Dieu. Le fait qu'un frère ou une sœur fasse un service volontairement, ça nous fait mal. Mais fais aussi. Fais aussi. Le Seigneur veut nous éduquer, nous faire comprendre que les réactions que nous avons peuvent entraîner la mort de l'autre. Et puis ça peut entraîner nous-mêmes notre propre mort, on ne vit pas. Tu dors, tu ne penses qu'à la personne. Tu manges, tu ne penses qu'à la personne. Tu vas au travail, tu ne penses qu'à la personne. Comment faire pour lui faire du mal? Sois un peu juste. Et je pense que chacun d'entre nous a un problème, a une paralysie quelque part. Nous avons besoin que ce temps dans lequel nous allons entrer, que Dieu puisse nous éclairer, que nos cœurs soient disposés. Alors, demandons au Seigneur de disposer nos cœurs. Pas un cantique. Libère-moi. Libère-moi parce que ce temps de carême, je ne veux pas le vivre comme l'année dernière. Rien n'a changé. L'année dernière, j'ai tout entendu. Mais ça n'a pas changé. Seigneur, ce matin où je m'en vais, je ne sais même pas ce que cette sœur m'a fait. Et pourtant, au fond de moi, je ne l'aime pas. Je ne sais même pas ce que ce frère m'a fait. Et pourtant, au fond de moi, j'ai du mépris pour lui. Seigneur, libère mon cœur. Je ne sais même pas ce que mes collègues m'ont fait. Depuis qu'on m'a nommé, je suis devenue une autre personne. Méchante. On ne peut même pas entrer dans mon bureau. Personne ne peut me parler. Seigneur, libère-moi. J'ai changé. Alors que plus on m'élève, plus je dois me rabaisser. Seigneur, j'écrase les autres. J'écrase mon épouse. J'écrase mon époux. J'écrase mes frères. J'écrase mes sœurs. Seigneur, je suis conscient de ce que je fais. Je sais que je fais tout pour les séduire, pour qu'elles tombent dans mon piège, pour qu'ils tombent dans mon piège. Je t'en supplie. Libère-moi. Libère-moi. Que ce temps de carême soit un temps extraordinaire pour moi. Libère-moi, je t'en supplie, ô Seigneur. J'ai tellement besoin de toi. Toutes mes souffrances entre tes mains. Entre tes mains. Tu as vu mes souffrances, rien ne t'est caché. Adonai. On m'a bafoué, on m'a rejeté, oh tu as tout vu. Adonai. Et je me montre de toi quand je passe dans le quartier, je suis inconsidéré. Il me traîne dans la boue, je n'ai plus de valeur. Adonai, aide-moi. Toutes mes souffrances, j'ai mis ma confiance en l'homme, j'ai été déçu. Oh, je remets tout entre tes mains. Je l'ai. Je les remets entre tes mains, Seigneur. Je les remets. Libère-moi. Oh, libère-moi. 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 Libère-moi.
J'ai perdu mes biens, mes amis d'autrefois m'ont tous abandonné. Ils se moquent de moi, je n'ai plus de repères. Adonai, éclaire-moi. Parce que c'est une souffrance pour moi, Seigneur, d'être une autre personne, d'être deux personnes en une seule personne. Libère-moi. C'est une souffrance, Seigneur, d'être généreuse à l'église alors qu'au fond de moi, je n'aime pas. Alors qu'au fond de moi, la sœur qui prie dans la cellule de prière avec moi, je ne la supporte pas. J'aimerais que les compliments qu'on me les fasse à moi seul. Et quand le curé ou le frère ou le pasteur félicite une soeur ou un frère, j'ai mal au cœur. Parce que j'aimerais qu'on parle que de moi. On m'appelle stérile, je n'ai point envoûté, Jésus, libère-moi. Libère-moi quand je traîne dans la rue. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Libère-moi de cette maladie incurable. Seigneur, tu nous connais. Je sais que ta main nous conduira pendant ce temps. En ta tendresse, Seigneur, efface mon péché. Lave-moi, lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Oui, Seigneur, c'est vrai, nous sommes à notre temps où nous sommes censés élever des cantiques d'adoration vers toi. Mais nous voulons obéir aussi à ta voix. Tu veux un peuple d'adorateurs qui t'adore en esprit, en vérité, qui t'adore en étant conduit par ton esprit. Seigneur, tu nous connais, nous tous, et nous voulons nous abandonner entre tes mains. Libère-moi. Libère-moi. J'ai besoin de toi. Libère-moi, 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 j'ai besoin de toi, libère-moi, 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 libère-moi. Seigneur, ta parole m'a touché. Et je veux t'offrir mon cœur pour que tu me conduises, Seigneur, sur le chemin de vérité.
ce matin, j'ai besoin de toi. Toi seul peux me relever, Seigneur. Toi seul peux m'aider à marcher dans la vérité. Libère-moi, libère-moi. Que tu nous libères par l'action de ton esprit. Nous voulons, Seigneur, nous sommes comme ces ossements desséchés dans la vallée. Que ton esprit souffle sur nous. Mon frère, ma soeur, adorateur, laisse le Saint-Esprit souffler dans ton cœur. Laisse-le prendre le contrôle. Laisse-le inonder ton cœur. Laisse-le conduire ton cœur. Laisse-le te guider. Et je sais que tu arriveras à bon port. Qu'il te bénisse, qu'il te fortifie et qu'il nous fortifie tous. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es bon pour moi, tu es bon.